Bon, je ne sais pas comment vous avez réagi à cette petite vidéo, répulsion, fascination. En tout cas, moi, je résume ça par une question. Est-ce que le robot est l'avenir de l'homme? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que cela a déjà été fait hier par Nicolas Bouzou de façon tout à fait remarquable. Alors, je vais resserrer cette question à mon champ de compétences qui est, c'est un peu brutal, mais c'est la réalité, la guerre. Et donc ma question est-ce que le robot guerrier est l'avenir du soldat? Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce thème, cette question, et pourraient légitimement me dire, mais Pierre Servent, c'est pas une question pour le futur, c'est déjà une question pour aujourd'hui, maintenant, sur les théâtres d'opération. Et pour en avoir fréquenté un certain nombre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà une robotisation de la guerre. Je vais vous donner trois exemples pour fixer un peu le cadre, en essayant après de faire un peu de prospective. Par exemple, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on parle beaucoup de la Corée en ce moment, notamment du Nord, vous avez un no man's land, une séparation entre les deux Corées, eh bien la Corée du Sud a installé toute une série de robots sentinelles qui ont la capacité d'interpeller vocalement des intrus, de leur demander leur identité, de leur demander le mot de passe, s'ils l'ont, et ces robots sentinelles ont la capacité de frapper si les bonnes réponses ne sont pas données, à la fois de façon non létale, c'est-à-dire que la personne ne serait pas tuée, ou de façon létale, puisque ces robots sentinelles ont des mitrailleuses et même des lance-grenades. Donc ça, c'est un premier exemple de la robotisation de la guerre et de la sécurité. Second exemple aussi qui va vous parler, parce qu'il y a eu pas mal de films sur ce thème, c'est tout ce qui concerne les robots des mineurs. Alors pourquoi, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a un développement considérable dans les armées modernes de robots des mineurs? C'est tout simplement parce qu'en face, ce qu'on appelle le combattant asymétrique, les groupes de combat terroristes, utilisent énormément ce qu'on nomme les IED, engins explosifs de fabrication artisanale. Ce sont des obus piégés, des mines piégées, des containers agricoles qui sont bourrés d'explosifs. Et pour éviter de mettre en péril la vie d'un sapeur, c'est l'arme du génie qui est spécialisée dans le déminage, on utilise des robots qui vont aller à proximité de l'IED pour le détruire, pour poser une charge qui va exploser et qui va neutraliser cette mine. C'est un second exemple et il y en a sur tous les théâtres d'opération un peu chauds parce qu'encore une fois, que ce soit Daesh, Al-Qaïda ou d'autres groupes, sont passés maîtres dans la fabrication des IED. Donc les puissances modernes sont passées maîtres dans la construction des robots des mineurs. Troisième exemple, même si le terme de robot peut être discuté, c'est ce que l'on appelle les drones armés. Le drone, c'est un avion sans pilote, mais qui a la capacité de frapper avec des missiles, des véhicules ou des groupes qui ont été identifiés au sol. Donc ce sont trois exemples, je pourrais vous en donner bien d'autres, mais ces trois exemples ont un trait commun, une caractéristique commune, c'est que l'homme, le soldat, l'officier reste maître du jeu. Pour l'exemple des sentinelles tueuses de Corée, c'est un officier qui va donner l'ordre à la sentinelle de tirer ou de ne pas tirer. Pour le drone, c'est un pilote, par exemple pour prendre les drones armés américains, c'est un pilote qui se trouve au Nevada. Son drone est au-dessus de l'Afghanistan, du Yémen, et c'est ce pilote qui va donner l'ordre de tir ou de ne pas tirer. Et pour le robot est piloté, un peu comme le ferait un enfant avec une voiture télécommandée. Donc c'est un sapeur du génie qui va contrôler ce robot, qui va le faire agir, qui va lui donner l'ordre de déposer une charge. Donc là, on a robotisation, utilisation de l'intelligence artificielle, de toute une série de découvertes, mais l'homme reste à la manœuvre. Et d'une certaine façon, je considère que ces exemples rentrent dans un package plus large qu'on pourrait appeler le soldat augmenté. Le soldat augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vieux rêve de l'homme, notamment du soldat, du guerrier, depuis la nuit des temps, que de pouvoir développer ses capacités, prolonger par exemple son bras en projetant un javelot, une lance. Donc c'est une certaine façon, ça consiste d'une certaine façon à projeter sa main au plus loin, augmenter sa capacité de frappe
et de destruction. Mais c'est aussi la recherche qui existe depuis longtemps, enfin, qui a été initiée par nos ancêtres il y a longtemps, la possibilité de prendre son œil et de le jeter au loin. Alors, il vaut mieux éviter de le faire, mais c'est évidemment la longue vue, les jumelles, qui étaient très sommaires il y a quelques siècles. Aujourd'hui, vous avez des jumelles de vision nocturne extrêmement sophistiquées. Enfin, dernier exemple, mais il y en a bien d'autres, c'est pour le soldat augmenté, la recherche de pouvoir projeter son oreille, projeter sa langue au loin, c'est-à-dire communiquer à distance, entendre à distance. Le pigeon voyageur, c'était à l'origine une possibilité de communiquer au plus loin. Donc là, encore une fois, nous sommes dans la notion du soldat augmenté. Et aujourd'hui, compte tenu de la révolution numérique, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, si vous croisez sur un théâtre d'opération extérieur, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, dans la bande du Sahel, un combattant français, par exemple, mais c'est vrai pour un Américain ou un Anglais, d'abord, il va peser 40 kilos de plus que son poids normal. C'est pour ça qu'heureusement, Michel a rappelé que j'étais colonel, et donc je ne porte plus 40 kilos de plus, parce que ça me ferait passer à 140, ce qui serait un peu douloureux pour mes articulations. Mais donc vous allez avoir en face de vous un soldat très très augmenté, notamment parce qu'il emporte des batteries qui vont lui donner une grande autonomie, autonomie de communication avec ses camarades de son groupe de combat, donc au plus proche, mais également avec son poste de commandement qui se trouve à l'arrière. Donc tout ça nécessite un certain nombre de moyens. Il a aussi des capacités de communication satellitaire. Pour vous donner un autre exemple, il va avoir la possibilité, face à une colline, de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Est-ce qu'il y a des ennemis? Et à ce moment-là, il va pouvoir lancer dans les airs un mini-drone, un peu comme ceux que les enfants lancent, alors non pas des drones, mais ces petits jouets qu'on lançait jadis, c'est exactement de la même taille. Ce drone va passer derrière la colline et le soldat augmenté va pouvoir, sur son bras, sur un écran retour, avoir en direct les images du derrière de la colline. Donc là, pour le coup, il a pris son œil, il a balancé derrière la colline et il voit ce qui se passe. Le soldat augmenté a encore une fois développé aussi d'autres techniques ou utilisé d'autres techniques. Je vous en donne deux. Il y a l'exosquelette, hein, qui est une structure qui se met à l'extérieur du corps et qui va permettre aux soldats d'emporter des charges très lourdes, et ce qu'on appelle la mule. La mule, c'est un petit chariot dans lequel on va mettre des munitions, du matériel, et cette mule est asservie au pas du soldat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le soldat fait un pas, la mule avance, le chariot avance. Quand il s'arrête, la mule s'arrête également. Donc, vous voyez, il y a dans ce domaine beaucoup de développement. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes déjà entrés dans l'ère de l'autonomie complète de robots tueurs? La réponse est oui. La réponse est oui. Deux exemples. Les bâtiments de guerre aujourd'hui ont des systèmes de détection et de destruction automatique d'avions, d'aéronefs, de drones ou de bâtiments sur mer qui viendraient menacer la sécurité du bâtiment. Vous avez des radars qui font l'acquisition de la menace et qui vont la détruire instantanément. Il n'y a pas d'intervention de l'homme, ça se fait automatiquement. C'est la même chose également sur des bases aériennes, de façon à protéger la base aérienne. Là aussi, il y a une automaticité complète du robot intelligent, programmé, tueur. Problème, c'est que pendant la Deuxième Guerre du Golfe, 2003, il y a des pilotes américains et britanniques qui ont été abattus au retour de mission à la suite d'un bug informatique, d'une non-reconnaissance entre ces systèmes automatiques de destruction et leur logiciel de bord. Et donc, ça m'amène à une question au cœur de la première question que je vous ai posée. Est-ce que l'on va vers une inversion du pôle de responsabilité entre l'homme et la machine? Est-ce que nous sommes entrés dans un système qui va faire que demain, la machine va donner des ordres à l'homme en disant « tire, ne tire pas ». Évidemment, ça pose des questions éthiques fondamentales. Et ce n'est pas pour rien que Michel a passé tout à l'heure cette vidéo russe. Il faut savoir que la Russie et la Chine sont très en pointe, très allants pour la recherche dans le domaine des robots tueurs, autonomes ou pas. Alors, mon point de vue personnel, c'est que même si on va développer ces systèmes, l'homme reste central
et doit rester centrale, notamment dans une démocratie. Et je voudrais partager avec vous rapidement un épisode que j'ai vécu comme officier en Afghanistan en 2002. Je me trouvais avec un autre soldat dans une zone un peu paumée, et j'ai vu arriver vers moi une colonne d'Afghans armés. On a pu les identifier assez vite comme étant des Tadjiks, donc des alliés, pas des talibans ou des groupes attachés aux talibans. Donc a priori, pas de menace directe. Le chef du groupe s'approche de nous, nous n'étions que deux, et le soldat qui était avec moi était armé d'une mitrailleuse miniature. Elle est très petite, ça ressemble à un jouet, mais ça a une puissance de feu terrible. Pour ma part, j'étais armé de mon arme de poing. Et le chef de cette colonne afghane nous parle en farsi, on ne comprend rien, on fait des grands sourires, et puis il n'arrête pas de désigner du doigt la mitrailleuse de mon soldat qui était à côté de moi. Et là, je commence dans ma tête à me poser la question, est-ce qu'il ne veut pas cette arme, sachant que dans ce pays, l'Afghanistan, il y a une passion pour les armes qui commence très tôt, puisque un jeune garçon de 12-13 ans se voit offrir son premier fusil. Et là, je me dis, est-ce qu'on va aller vers une confrontation parce qu'il veut absolument prendre cette arme? Donc ça se tend, le propos est de plus en plus vif, on commence un peu à s'inquiéter. Et puis à un moment, cet Afghan arme sa Kalachnikov, ce qui est un signal très très mauvais, puisque ça veut dire qu'il veut faire rentrer une cartouche dans son arme et qu'il va être en position de tirer. Donc là, en une fraction de seconde, nous commençons à bouger nos mains vers nos armes. Mais à notre grande surprise, en fait, en faisant ce mouvement, cet Afghan a extrait une cartouche qui était déjà dans l'arme. Ça veut dire que son arme était prête à tirer. Donc la cartouche virevolte dans le ciel, l'Afghan l'attrape, s'approche de la mini-mi de mon soldat et tape avec sa cartouche sur le chargeur tambour de la mini-mi. Il n'avait jamais vu cette arme et ce qu'il voulait comprendre, c'est quel était le calibre de l'arme qu'il avait en face de lui. Donc il n'y avait aucune intention belligérante. Et là, pourquoi je vous partage cette petite histoire, c'est que ça montre que l'homme est absolument indispensable, indépassable. Tout ce qui fait l'intuition, l'instinct, l'empathie, la finesse de compréhension dans un autre registre, le courage, l'envie de s'engager, le dépassement, la camaraderie, toutes ces notions, à mon sens, sont indépassables. Et juste pour terminer, je pense que malheureusement l'humanité va continuer dans ce type de recherche et dans quelques années, on pourra demander à un pays quel est le degré d'autonomie de tes robots tueurs et à ce moment-là, on pourra en déduire le régime politique qui est possesseur de ces armes. En clair, autant une dictature peut se permettre de développer ce type d'armes robotisées sans âme, autant une démocratie ne peut pas le faire. Merci beaucoup.